the clown. Je sais pas, mais je pense qu'ils vont revenir. Et peut-être qu'ils vont manger, je sais pas. Dylan, il a peur de rien alors. Oui, bien sûr. Quand il faut ça, j'ai les tuyaux. Tu cours. Le corps est calme. Ouais. On m'a douté. Toi, c'est à toi. Moi, j'ai mangé des trucs. C'est un œuf. Il y a de l'œuf. Bon, voilà. Bon, si ma mère avait acheté des maltais. Ah oui. Miniature. Bah, trempé. Ouais. Mais ils viennent d'Ali. Ah, ouais, c'est trop. Ouais. Moi, je vais en faire des maisons. Ah, oui. Mon père, il a fait la recette. D'accord. T'as vu, t'as plus de boutons. Bah, j'en avais bizarrement quand j'ai aidé dans le champ vendredi passé. Je sais pas pourquoi j'avais des boutons. Parce que j'ai sué dehors. Et c'est de la vraie sueur dehors. Ouais, tout est sèche. C'est vrai. Alors qu'on s'est frotté et tout. Bah, plus ou moins, ça va. Ma gars et moi aussi, hein, là-dessus, je suis plus rouge. Regarde, je suis mon peau. C'est bizarre. On est parti, si je vois. Elle est partie. Avant tout, mademoiselle Long, merci pour m'avoir cité à la fusée et de bien vouloir faire écouter cette bande à Thierry. Et maintenant, Thierry, avant de commencer, je voudrais vous remercier aussi d'écouter mon matériel et de bien vouloir m'offrir une chance pareille. Vous savez, le public croit toujours que des types comme vous, les gens qui réussissent aussi bien que vous, ne lèvent jamais le petit doigt pour de jeunes talents comme moi. Eh bien maintenant, je sais par expérience que les gens qui font croire ça au public sont des cyniques que leur propre échec a rendu aigri. Je sais, Jerry, que vous êtes aussi humain que n'importe lequel d'entre nous, et même plus humain encore. Voilà, ben, je crois que c'est pas la peine de m'éterniser. Maintenant, vous savez ce que je pense, alors passons tout de suite à mon numéro, les meilleurs sketchs de Rupert Popkin. Jerry, ce petit discours que je fais avant le numéro, c'est pour vous laisser un peu de temps. J'espère que vous me comprenez, hein. C'est un genre d'introduction. Alors maintenant, fermez les yeux et imaginez qu'il est 18h et que vous attendez dans les coulisses et on entend Lou Brand et son orchestre qui commencent à jouer le thème du générique. Et voici maintenant, de New York, le show Jerry Langford avec comme invité Richard Pryor, Penn Gazzara, Elizabeth Ashley, Carol Burnett. Et la découverte comique de l'année qui fait ses débuts à la télévision, Rupert Popkin, le nouveau Rupert roi des comiques. Rupert. Et maintenant, une grande ovation pour Jerry. Oh, s'il te plaît, mort. Je dors. Baisse le son. Oh, c'est pas vrai, c'est une bonne femme. Mais qu'est-ce qui te prend? Mort. Ne crie pas et baisse le son. Les mais je baisserai pas le son, j'ai un travail qu'il faut que je fasse maintenant. Amuse-toi si tu veux, mais pas si fort. Oh. C'est là que vous faites votre entrée, Jerry, que vous dites votre monologue. Et ensuite, quand arrive le moment de me présenter, voilà comment je voudrais que vous le fassiez. Enfin, vous pourriez faire quelque chose comme ça. Voulez-vous faire le meilleur accueil possible au nouveau roi des comiques, Rupert Popkin? Bonsoir, mesdames et messieurs. Permettez-moi d'abord de me présenter, je m'appelle Rupert Popkin. Je suis né à Clifton, dans le New Jersey, ce qui, en ce temps-là, n'était pas un délit puni par la loi. Y a quelqu'un d'autre qui vient de Clifton? Non, bon, eh ben,